Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris avec le Havre synthétique. Nous sommes en guerre, les amis, nous sommes en guerre contre ces gens-là pour essayer de libérer les humains de l'oppression. Et du coup, c'est ce qu'on va faire. Donc on est en train d'essayer de pourchasser cette flotte-là, sauf que bien entendu, dès qu'on arrive, elle se barre. Et l'avantage, c'est qu'il y a mes alliés qui débarquent aussi dans le coin. Alors j'imagine qu'ils doivent avoir le même niveau de vitesse de déplacement que moi. Donc pendant ce temps-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va aller un peu faire recter son infrastructure. Voilà. Ça va nous faire gagner un peu du score. On est déjà à moins 18. Ouais, nous, ça nous ferait passer à beaucoup moins de moins moins. Merde. Ah oh, putain, encore. Pas fait gaffe. Voyons voir. Toi, là, tu veux bien échanger? J'ai besoin d'énergie. Genre beaucoup. Beaucoup d'énergie. Ah, 4500, ça serait pas mal. 1400, ça serait pas mal. Moi qu'il va accepter. Même si je dois lui donner les 9000 de minéraux, je m'en fous. Ah non, là, ça commence à faire beaucoup quand même. Bon, lui, il veut plus échanger avec moi, c'est mort. Bon, toi d'ailleurs, je peux... Ouais, non. Niat. Alors. Ouais, toi, allez, t'as à peine 2000. Ça irait très bien pour moi. Voilà, contre 1300, parfait. Et on avait ce monsieur ici aussi. Lui avait des bons deals à faire en général. Beaucoup d'énergie. Bon, il a pas eu le temps d'en régénérer suffisamment, mais... Voilà. Nickel. Hein, nos amiraux gagnent. Nos deals sont faits. Ok. Oula. Ouf. Les gars offensifs, ça les a pas trop aimés. Tout ça migre. Ça nous fout dans une situation très délicate, cette situation, hein. De déclarer la guerre. Mais on va voir. On va continuer à plutôt détruire l'infrastructure. On va faire un saut à Régulus, voir s'ils ont, voilà, genre le poste d'observation et tout. Ok, cette flotte-là, elle en a terminé apparemment. Et en plus, notre allié a fait de l'occupation, donc ça, c'est parfait. Pacte de non-agression entre ces gens-là, d'accord. On va essayer de pas générer trop de menaces, nous, quand même. Lance attaquion, déstabilisateur quantique, ça peut être pas mal, ça. Réduction des cadences de tir, ouais, non, c'est pas grand-chose, quand même. Bon, pour 7900, c'est rare, quand même. Ça va être rapide à faire. Ok, alors qu'est-ce qu'on engage? Ouais, le poste d'observation. J'espère que... Bon, de toute façon, les mecs, ils doivent juste voir les primitifs de l'âge du fer. Donc, pour eux, c'est juste... des étoiles dans le ciel qui font des explosions bizarres. On va dire ça comme ça. Ah, on est déjà à 35%. Ah, on n'en est pas loin. Coup de flotte qui traîne, qui essaye peut-être de reprendre le truc. Mais on va voir. On va essayer de les intercepter. Situation log updated. Après, je pourrais encore subdiviser ma flotte si je voulais. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. Ah, les portées d'engagement sont quand même vachement plus grandes. Hein. Hostile fleet engaged. Hostile fleet engaged. D'ailleurs, ici aussi, il y a des primitifs apparemment. Situation log. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Je vous avais pas vu venir, vous. Alors, vous allez plutôt vous mettre à des endroits où il n'y a rien et je vais vous faire faire des. Hop là, ben voilà. On a gagné. C'était rapide. Très rapide, même. Voilà. Tu vas nous faire tout ça. Ok.
marque à intervertir. Voilà. Donc, victoire. Du coup, ce monsieur... Il devrait bien nous aimer, je pense. Ah putain, c'est parce qu'il est trop loin. Il est beaucoup trop loin. Voyons voir, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'il faudrait que je colonise. Là, on a un petit monde arctique. Là, on en a un pas trop dégueu. Mais après, je suis en train d'améliorer la flotte de la Fédération, moi. Un petit peu ce colonial. On va faire rentrer déjà nos flottes. Donc, l'Autonomous Cluster 001 va rentrer à Bagol. Time. On va l'améliorer au passage. Et l'Autonomous Cluster 003, il va rentrer à Brustram. Voilà. Et ensuite, ce qu'on a déjà à Brustram... Ah putain, j'ai pas fait des vaisseaux de la Fédération. Quel con... aussi que je perds des thunes. Alors je vais les détruire, désolé, mais moi je voulais faire des trucs de Fédération. Vous avez dû me le dire dans les commentaires en plus. Tous vous fusionner. Ok. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler les constructions là. Là c'était du Fédération. Là c'est du Fédération aussi. Ok. Bon déjà je vais finir ce qui est en train d'être construit, quoique. Qu'est-ce qu'on a déjà actuellement? On a un cuirassé, une corvette et un deuxième cuirassé. On est en train de construire trois croiseurs. Donc on va faire deux cuirassés ici et des cuirassés Fédération s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Et sur Sirius Prime, je vais peut-être faire quelques corvettes de la Fédération. Voilà. Très bien. Pacte de non-agression annulé. Bon, je pense qu'on n'a pas dû générer spécialement de menaces. Par contre, ce qui m'enquiquine un petit peu dans l'histoire, c'est que vraiment rien faire d'autre. Bon, vous avez... Lui, il est devenu loyal hein, finalement entre-temps. Alors le problème c'est que si je veux il faut que je me débarrasse d'un autre monde. Est-ce que je peux donner, voilà, transfert de système, celui dont je voulais me débarrasser c'était comment il s'appelle déjà? Hieroscant là, celui-là. Je te le donne, c'est cadeau. Voilà. Ouais, du coup, ça a vachement réduit... Mais bon, c'est pas trop grave, ça. Pourquoi il est inactif, ce bâtiment? Ah, mais du coup... Ah, j'ai perdu, par contre, ma ressource. Ah, ça, c'était un peu couillon, par contre. J'ai perdu ma ressource parce que... Elle était où? Elle était... Pourquoi je la vois plus? Bizarre. Bon, je vais remplacer le bâtiment, du coup. Qu'est-ce qu'on peut y construire à place? Centrale électrique. Qu'est-ce qu'on va faire du coup? On va voir. Tout ça là. Ça fusionne. Ah putain, je suis à nouveau... De nouveau presque à zéro en énergie. Il commence à avoir du mal à suivre le rythme, lui. Ok. Bon, après, nos vaisseaux scientifiques, on va leur faire continuer leur exploration. Même si on était en guerre dans le coin aussi, c'est peut-être pour ça. Et du coup, tu vas nous faire... connaissance de ça. Et du coup, toi, c'est passé comment ta guerre? Là, t'es en train de perdre. Ok. Par contre, ce qu'on va faire du coup maintenant... Déjà, lui... Ouais, j'ai déjà une garantie. D'accord. J'ai une garantie de lui. Ok. Lui proposer une convention de recherche peut être largement en sa faveur.
Voilà. Histoire de le faire en sorte qu'il m'aime bien. Donc on a ce monde arctique de taille 17. Ouais, je pense que c'est ça, c'est le meilleur candidat qu'on ait. Pour les missiles de tornade. Après du coup on a un tout petit peu d'armée. Ok, donc ce truc là est rentré, ce truc là aussi. Pourquoi est-ce qu'il me le... Ah oui non, c'est lui que... D'accord, il est toujours en route. Il est en train d'arriver. Lui, il est en train d'être amélioré par contre. Parfait. System survey complete. Ah putain, j'ai l'impression qu'il est en train de venir coloniser ça. Non, ça va, il est parti. Justement, ce qu'on va faire, c'est que maintenant qu'on a réussi à faire ce qu'on avait à faire, on va repasser en guerre défensive uniquement. Voilà. Il devrait améliorer le bonheur. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que... C'est pas trop mal, ça. Voilà, vaisseau colonial. Tu viens là, toi. Et ça, ça va nous coûter, par contre, une blinde en termes de... d'influence. Oh putain, 622. Ah putain, la planète n'a pas été reconnue. Reconnaissance de la... Attends, reconnaissance de la planète et reconnaissance du système en priorité. Go, go, go. Et on va déplacer aussi notre vaisseau de construction ici. Waouh. On nous fait faire un léger détour, dis donc. Pourquoi je peux pas traverser par ici? Ah, mais c'est à cause de ces saloperies qui traînent. Mais bon, on est encore à moins 100 quand même. Comment ça se fait que je perde autant d'argent? Ok. System survey complete. Ouais, là par contre j'ai plus rien à nouveau. Ça commence à être compliqué à gérer. Viens voir, toi tu voulais pas m'en donner aussi les crédits énergétiques. Voilà, pas beaucoup dis donc. Bon, je suis un peu déçu de ne pas pouvoir profiter de ma direction de la fédération pour pouvoir inviter plus de monde dedans. Ok. Ça va nous faire survivre quelques mois. Bon voilà, les flottes arrivant, déjà ça aide. Toi, tu vas nous faire le réseau de panneaux solaires. Research complete. Ouais. On va faire maintenant. Ah bah tiens, voilà, on va essayer d'augmenter nos crédits énergétiques, je suis bête moi. Bon, toi ici là. Je peux vraiment rien faire avec toi. Ah mais c'est parce que t'es toujours en guerre en fait. D'accord. Je comprends pas trop du coup pourquoi lui... Parce que c'est mon protectorat. Qu'est-ce qui va se passer quand il va perdre la guerre en fait? Parfois je ne comprends pas très bien comment ce jeu marche. On est à combien? À 48 sur 127, c'est pas trop mal. Je sais, on a pas mal d'influence, mais j'attends en fait pour pouvoir faire ça là. Non mais toi tu viens directement ici en fait. Ah, c'est parce que je lui avais mis en file d'attente par rapport à ses actions actuelles. Waouh, c'est-à-dire que pour faire ça, t'es obligé de faire, d'accord. Ah, faudra vraiment que je sorte... une de mes flottes pour nettoyer sur la route, là. Tous ces trucs-là, je vais prendre cette flotte-là, je pense. Elle a l'air upgradée. On va faire un petit peu un saut. Puis toi, tu vas venir ici, du coup. Alors, attendez. Voilà, toi, tu viens là.
Ok, reconnaît Razalas 4, c'est bien ça. Waouh, déjà. Ouf. Construction complete. Ils sont pas très heureux, ces gens-là, par contre. Ils aiment pas trop la philosophie de guerre. Et alors toi qui es en train de te développer, tu vas nous faire le dôme du paradis. Ok, bon, justement, toi là, petit vassal. Donne-moi tes crédits énergétiques. Toi, t'as révoqué la garantie de ce monsieur. J'ai l'impression qu'il a libéré des choses. Attitude neutre. Peut-être te proposer quelque chose, toi. Alors, tu veux pas d'une convention de recherche. Lui faire une garantie. Pourquoi je peux pas lui faire une garantie? Pas très logique. Pacte défensif. On a l'air d'être super potes tous les deux là. Finalement, il a fait son pacte de non-agression. Et du coup, moi, mon vassal dans l'histoire, il a disparu ou... Il a l'air de plus vraiment exister, hein. D'accord. Hein, vachement surprenant que j'ai rien pu faire. Pas grave. Ships upgraded, construction complete. Et la fédération, c'est mort. Hein. Parce que les autres veulent pas. Mon chien. Parce que je peux pas être un dictateur dans ma propre fédération. Alors toi t'es revenu là, donc tu viens naître dans ce système et projet de recherche dans la foulée. Ensuite à Aldébaran, on va nettoyer ce qui traîne. Si on arrive à réduire la distance, ça devrait passer. Hein. Oui, mon vaisseau colonial. Même si qu'il est en train de faire tout le tour. Hostile fleet engaged. Ça fait un sacré trajet quand même. Situation log updated. Hostile fleet engaged. Ok, next. Hop là. C'est basé ici. Oh, il y a eu de la migration. Situation log updated. Ok, donc déjà on va upgrader les trucs qui sont déjà sur place. Ok. On a ici. Ça y est, commence. Ça y est, commence. Parfait. Allez, viens me coloniser ça. Voilà. 622. Quand même. Ouais, on va le mettre là. Voilà. Ça devrait réduire le problème de distance. Il est encore loin, lui. Hein. Oui, je pète la gueule à ce mec, en fait. Mais non, on fait pas, nous, on est... On n'a pas le droit de péter la gueule. Ah, on n'est plus président. Bon, bah, j'espère qu'ils vont pas détruire ma flotte que je me suis cassé le cul à construire, quand même. Sous
Ouais. Oula. Encore beaucoup de choses à faire dans la région quand même. J'ai presque envie de faire des lois minéraux, mais ça donne que plus 1000, c'est pas énorme. Ok, bon. Là, on va sacrifier ça, faire ça. Voilà. Je sais pas trop pourquoi mon... C'est quoi ça? Ah, mais c'est la flotte de la Fédération. D'accord. L'air de marcher bizarrement leur système de fédération quand même. Bon, au moins ils ont pas l'air de détruire au moins la flotte que j'ai construite, mais j'ai pas l'impression qu'ils s'en servent non plus. Ça qui est étrange. Ok, donc ça c'est nettoyé. Putain, je suis à nouveau déjà presque à zéro, donc on va rentrer à Bagol. System survey complete. Ok, et du coup ça me faisait penser, ah non, le projet spécial de modification de l'espèce il est toujours pas terminé, hein. Il reste encore un bon petit bout de temps, donc il va falloir qu'on survive en échangeant encore notre énergie avec d'autres personnes. Là c'est chiffre, donc toi t'as rien. Ah, toi t'en as un peu plus, c'est bien. Ok, ils sont instantanés, j'espère qu'ils vont pas me demander genre 10 000, enfin quoi que je peux les payer à hein, 10 000. Voilà, allez, on y arrive, voilà, allez. Allez, voilà, parfait. Nickel, bon, du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là pour cet épisode les amis. Et puis du coup bah, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la suite de ce let's play. Salut à tous.